passé de déjà fait. Et j'ai aussi annoncé, moi gagné deux points pour me parler de eux. Premier point, c'est la question de sécurité et relations police-population. Et deuxième point, c'est mobilisation de Bouraïb à partir du jeudi 5 décembre 2019. Côté toute opposition à plat et l'aime des oppositions, ça va éviter les cinq regroupements des faute d'opposition. Premier point de parler de l'IA, c'est la question de l'insécurité. Dans une réunion de travail de l'affaire de la commission de justice et de sécurité, sénateur Sénatiste l'a noté déterminé gagner en répartition géopolitique des gangs dans la capitale. Ça veut dire que chaque côté gang lutté, eh bien, il y a un monde dans le palais, ou bien un monde dans le pouvoir, qui fait contact avec eux. Et la commission de justice et de sécurité qui est pour travail, tu vois, qui monde dans le palais, qui fait relation avec gang yo. Et le début mette au travail. L'autre jour, il y aurait une déterminée, quelques leaders, quelques membres de cabinet président, qui eux-mêmes fait contact à gang. Et c'est comme ça, il y aurait M. Fidja lui, c'est lui qui a porté pistolet avec BAP by gang dans le bois. Et après, qui va le porter. Même bagaille avec gang au niveau du Sacré. Donc, le Sahara, nous établit une relation entre palais et gagnon. Et ça fait arriver le fait qu'il y ait une mauvaise répartition, hein, qu'il y ait un problème qui posait dans le Sahara. Eh bien, que M. Fridjan, lui, lui-même arrivé et tiré sur lui. Ça veut dire. Ça veut dire que je dis à question de insécurité politique là, qui établit côté que c'est palais national, même cabinet président, à travers les moyens que vous avez, quatre alimentés de gang. Et c'est comme ça le fait dans toute région métropolitaine. Et là, nous comprenons que même M. Fidjan lui, c'est lui qui était dans Mercenaire. Et mercenaires qui l'a eu, moi j'ai déjà fait enquête là dans les résultats, c'est mercenaires qui sont dans l'Ombaye Académie aux États-Unis, à Cap Blackwater, qui ont même fait massacre en Irak. Le problème, que les mercenaires sont là. Un, rien que par les mettez-moi pour faire relation avec Gangrio. Deux, avec le Rodium, parce que le pays a tout. Massacre à Saline, à deux fois, à Saint-Belin. Tokyo, Kafoufei, Maya, pour que c'est mal, c'est spécialiste à eux, et bien qui ont même top fond des monde, et c'est monde qui te mène à faire une relation avec Gangyo. Donc chaque article est là pour que vous ne papa ouais. En quoi que relation établie, c'est que vous êtes ça. Moi dit, moi écrit, c'est notre Sénatus, moi dit, puisque nous t'es établi déjà, que Gangyo a une relation avec Palais et que nous avons découvert ce que nous lui, et bien nous demandons pour que nous concluions l'enquête là. L'enquête, c'est ça qu'on conclut, et que pour ni international ni national, maintenant qu'on y a une relation qui est établie entre Gangyo et Palais National. Ça veut dire que dans Palais National, nous avons des gens qui sont chefs gang. Et ça nous dit loin, c'est que le directeur général de la police là, le monde n'a pas gardé, mais nous, ouais, que, eh bien, tout effort qu'il a fait pour le déployer, pour arrêter l'autre monde, pour persécution politique, il n'a jamais lui-même. Soit disant, c'est dans des épouchines, c'est comme ça, il n'a jamais arrêté Yon Mogonzal. Et ceci, c'est grave. Officier de police, il vivait dans cette situation, ça. Parce que moi-même, j'étais officier de police. Moi, je connais qu'officier de police, quel que soit, mon ou servi président, eh bien, au minimum, vous êtes. Minimum, là, nous allons ouvrir là, non. Nous avons police servile. Nous avons police à servir. C'est à faire que l'IA nous dit, attention, police là, c'est police population. Il y a des gens qui servent, qui asservent. Eh bien, nous disons, eh bien, je dis là, la situation que vous avez là, pour bon vous détacher. Les policiers qui ont demandé, justement, pour yo, pas yo,
tout ça, il y a des gens qui ont vu le droit, eh bien, syndicats, policiers, nous disons que nous détachons, nous ne pas confondre avec le monde qui servit et qui a servi pour le place avec le pouvoir. Et dans ce sens-là, moi je pense que la nouvelle situation, ça, la nouvelle internationale, en particulier comme ça, dans les soldats, les Américains, que yo dit, et aucun des journalistes qui l'a, nous croyons que la route à suivre, c'est la continuité de la mobilisation. Et c'est pour ça. Je dis qu'il s'agit de ça. Toute opposition, que ce soit alternative, l'opposition institutionnelle, marché contre le bloc démocratique ou le forum Papaï, et toutes nos partis, eh bien, nous invitons, pour toutes les prisons d'Azraïve, pour nous lancer une mobilisation totale et capitale, parce que nous-mêmes nous croyons que, je dis à, force peuple-là, peuple qui n'a bataille, nous pas jamais perdu bataille. Et c'est peut-être ça, jeudi, ce sera la grande mobilisation au Gonaïve. Écoutez déjà, puisque la fête Gonaïve, toute notre commune à Voisinato, et bien nous demandons, pour non seulement nous venir rencontrer membres de l'opposition, mais la table de concertation au Gonaïve, et bien les mêmes, ils voient signer pour entrer dans l'alternative là, c'est-à-dire dans différents groupes qui signent encore là. Là, nous lançons mobilisation là, nous avons une paniquer. Hier, dans la radio Gonaïve, on juge, eh bien, lui-même, il descend à la police, il vient arrêter leader opposition. Eh bien, il a dit, il s'est malade. Il vient arrêter Fritchery, il vient arrêter l'autre monio. Il a dit, juge là, fais attention. Il a déjà pris une barre dans le CSPJ. Le CSPJ, il a pile, garçon, voyant là, qui peut tolérer ça. On dit, CSPJ, juge ça, eh bien, il n'y a pas l'île, pas le mérité. Policiers, nous disons, nous n'avons pas arrivé là, respecter la loi, respecter le règlement, nous, mais pas croire que nous voulons rentrer dans l'action illégale, parce que l'article 23 du règlement public là, eh bien, dans le corps actif encore le tout, je n'ai jamais exécuté un ordre manifestement illégal. C'est dans ce sens-là. On croit qu'aujourd'hui, en bataille, que nous avons mené dans le vrai chemin. Et ça fait un petit moulin. C'est arrivé, nous avons 2 mois, nous avons 3 mois. Il va nous ne jamais décourager. Bataille pour changer le système esclavagiste là. Bois Caïman, 1791, libération pour le 1er janvier 1804. 13 ans. Tout dire. Bataille pour changer le système économique là. Système social là. Système politique là. Ce n'est pas facile tout. Et c'est peut-être ça que c'est avec courage que d'abord des batailles là. Parce que son bataille, victoire, les points de victoire totale pour le peuple haïtien, parce que nous sommes nous ne pas continuer la donne. Et c'est peut-être ça, mobilisation ça, dans Gonaïve, qui fait ville côté indépendance de la Dubaï, nous avons une grande mobilisation, côté que pour toute notre vidéo, qui est déjà guerre, et qui va continuer pour nous arriver jusqu'à province. Donc on a des passé dans la joie, nous disons ça va ébranler nous. Mais on panique, on panago, nous pouvons arrêter notre situation que la grande mobilisation, que ce soit le département de l'autonomie, que ce soit tous les membres de l'opposition à travers le territoire national, Nathalie, ou le jeudi 5, nous avons démarré la mobilisation, eh bien, qui pourra mener nous à une bataille que, comme le carré, on bataille pour un changement de système et on bataille côté peuple assez intelligent. Pour qu'on ait l'heure pour avancer, l'heure pour reculer, mais fois ça, nous allons avancer jusqu'à la victoire finale. Merci. Allez, allez. Allez. Oui. 102.5 FM, le zénith de la radio. Saluer, Samuel la presse là, militants et tout, camarades du combat, déjà les gens qui nous ont invité, conférence du Brossard, c'est preuve pour mobiliser pour cette bataille extraordinaire. Oui,
je dis à, je voulais dénoncer notre massacre qui fait sur la population encore. Le massacre de Mariani. Et puis Jovenel Moïse monte sur le pouvoir, c'est massacre sur massacre qui a fait sur la population. C'est un massacre la Saline, c'est un massacre la Poufeuille, c'est un massacre Tokyo, massacre qui fait Belé, et hier soir, nous font massacre dans Mariani, dans la localité de Tigodette, et c'est des bandits proches du PHTK qui mettent ensemble avec certains policiers dans le district qui fait massacre ça. Nous identifions dans le massacre là un policier qui est le Tiréginal, nous identifions un Azek qui est le Mano, PHTK, et nous identifions yon bandi, yon assassin ou le palandrin. Ces trois mouns sa yo, qui concocte massacre là, et yon exécute massacre là, à travers yon machine la police. Massacre la fête hier soir, vers 9h du soir, et yon 9 mouns qui sont victimes, parmi yo, et 5 qui mourent. Genye Nairobi, victime, yon Rashkad, qui victime, et Lutner qui victime, et Bélange qui victime, et Niawol qui victime, et Tijène qui victime, et Darlene, une jeune demoiselle qui victime, et Angelo qui victime, et Joale ainsi connu qui victime. Tout le monde est victime, en ayant participé à nos réunions pour nous dire comment nous allons relancer la mobilisation dans la Marianne. Bref, là encore, sur notre massacre, on voit que Jovenel Moïse a fait sous population, hein, côté 100 peuples à couler, et tout massacre ça a fait désormais avec la complicité de la communauté internationale et plus particulièrement l'ambassade américaine. Parce que l'ambassade américaine a le droit moralement continuer à supporter un président qui est en corruption. Il n'y a pas de droit de continuer à supporter un président qui a fait massacre la population, qui a violé les droits de l'homme. La communauté internationale ne comprend que là, en Haïti, il y a commettre des fautes inacceptables et l'opinion internationale comprend que en Haïti, l'ambassade américaine est en train de supporter des actes de violation des droits humains. C'est des bagailles inacceptables qu'a fait là. Et malgré ça, il a demandé nous, on a négocié, il a demandé nous, on a cohabité, on a le gouvernement avec Jovenel Moïse. Pour apprendre, bon secrétaire d'État, et David Hill, qui a rentré, qui a demandé au monde pour aller faire gouvernement, à négocier avec Jovenel Moïse, a tout dit, monsieur Hill, nous pas envie d'entendre des paroles à la Dossayo. Parole négociation à Jovenel Moïse, parole fait gouvernement à Jovenel Moïse. Semaine ça, c'est semaine 15 qui vient, je vais mettre retour aux États-Unis, manger condamné avec famille, qui n'a pas besoin d'une perte du temps, pas de personne monde qui prend traverser cadavre, mon qui mourit dans massacre Mariani, mon qui mourit dans massacre Capoufeuille, mon qui mourit dans massacre Bel Air, mon qui mourit dans massacre La Saline, Soulino, Tokyo, nous pas traverser cadavre nous qui mourit pour aller négocier job avec Jovenel Moïse, même Jean Tout, qui a plus passé 155 citoyens français qui ont assassiné dans la mobilisation, nous pas traverser cadavre pour aller chercher job avec Jovenel Moïse, à mettre gouvernement, mettre premier ministre. Cela ne nous intéresse pas, nous ne sommes pas des demandeurs d'emploi, nous pas chercher job. Bataille mourant, son bataille pour nous casser un système d'exclusion qui se maïnise dans quatre pays. Hein? Bataille mourant, c'est bataille pour nous casser un système qui met Espagne, aux jeunes, aux paysans, aux quartiers populaires sur le côté. C'est bataille pour nous construire un pays pour l'État dans l'intérêt peuple haïtien. L'État totalement inacceptable, l'État vraiment immoral pour tout le monde qui a mouru. Et puis pour le monde dans l'opposition, hein, ça a le chita,
négocier job avec Jovenel Moïse à le gouvernement. Pense encore, M. Hel, c'est pas où ça va disparaître. Restez la caillou, mangez Coden, dans la semaine, Thanksgiving, non, pas d'une parler pour ça dans les oreilles, nous pas envie de dire, nous, grand monde, c'est nous décider qui ça a fait. Le peuple a déjà tranché, aucune cohabitation n'est possible avec les assassins, avec les corrompus qui ont dilapidé les 4,2 milliards de dollars américains du fonds pétro-gaz. Nous prenons sur ça, pas de discussion. Et nous dire, mobilisation, ces âmes démocratiques, nous n'ont pas abandonné. La continuée mobilisation jusqu'à la victoire finale. Et victoire finale là pour nous, c'est pas seulement les Jovenel Moïse de pouvoir. Victoire finale là pour nous, c'est pas seulement le bon gouvernement de transition qui finit. Victoire finale là pour nous, le nous craser le système pesé sous ces arts. Le nous devons construire un autre État, dans leur société haïtienne, dans l'intérêt de tout le monde. Et c'est ça que fait. Jeudi, nous tous, nous pourrons aller pour Haïti. Jeudi 5 décembre, nous pourrons aller, nous allons relancer la grande mobilisation de la cité de l'indépendance. Oui, toute l'opposition rassemblée, unie comme une seule femme, comme un seul homme, à présent, dans la cité de l'indépendance, on a dit, voilà ce que nous voulons pour notre pays. Voilà le combat que nous menons et nous entendons aller jusqu'au bout dans ce combat. Et nous dire, malheureux, malheureux, pas la fête. Pas une fête, c'est sur mois décembre, c'est mois fête. Écoutez, là, nous pas nous bagaille comme ça. Le peuple n'a pas qu'à manger, le peuple n'a pas qu'à sécurité, le peuple n'a pas qu'à l'école, le peuple n'a pas qu'à le travail, le peuple n'a toute qualité de problème. Peuple n'a pas nos fêtes, peuple n'a pas nos brèves, nous pas nos fêtes, nous pas nos brèves, le mois de décembre 19 là, ce sera le mois de combat, le mois de mobilisation sur toute l'étendue du territoire national. Et vendredi, 6 décembre 2019, nous allons organiser une grande marche. Ce sera la marche de la dignité et de la souveraineté nationale. Côté nous inviter tout secteur dans le pays. Même si vous n'êtes pas en opposition, vous avez place où vous venez participer dans le match ça, nous vendredi 6 décembre 2019, qui prend le bout devant l'ambassade américaine. Son match pour nous dire blanc américain, quittez peuple là pour un destin en main, peuple là tranché, peuple là décidé, peuple là pas voulu Jovenel Moïse encore, peuple là voulu casser au système qui chita sous exclusion. Quitter le peuple après des terres en main. Et marche qui va le faire 6 décembre, non. Tout le monde concerné, dans quelque soit catégorie sociale ou yé, qui tout gagne l'argent, n'a pas nous dans marche vendredi 6 décembre, non. Qui tout gagne l'argent, n'a pas nous. Qui tout ces paysans, n'a pas nous. Qui tout ces jeunes, qui tout ces femmes, dans quelque soit couche sociale ou yé, n'a pas nous. Parce que dignité pays, souveraineté pays, ce n'est pas quelque chose de partisan. Souveraineté pays à dignité pays à, ce n'est pas affaire opposition, ce n'est pas affaire alternative là, c'est affaire tout haïtien. La marche de la souveraineté et de la dignité nationale. Marche pour dignité pays à doit grandir le pays d'Haïti, dans marche ça, on attend tout le monde. Pour nous tous, nous défiler, pour nous aller devant l'ambassade américaine, pour nous dire, suspendre, mettez barricade. Qui chimait pour empêcher ce peuple-là de changer condition la ville. Parce que je dis, bon seul barricade qui empêche de renverser Jovenel Moïse. Bon seul barricade qui empêche nous de craser le système PC sous CA, barricade par l'ambassade américaine. Cela est inacceptable. Nous sommes pays, nous voulons dire, hey, nous avons prestige, nous avons histoire, il est le temps. Nous suspendons les tailleurs dans notre pays d'Haïti. Et c'est ça que fait. Et c'est ça que fait. Moi, vendredi, ça, nous avons rassemblé Kassou Aéroport. Nous avons rassemblé Chanmar. Nous avons rassemblé dans tout quartier populaire. Et nous avons défilé pour aller devant l'ambassade américaine. Tout leader à plat, tout député à plat, tout sénateur à plat. Nous serons en première ligne. Pour dire, notre souveraineté nationale doit être respectée, notre dignité doit être respectée, l'humanité
pour suspendre, pour boucher dans les affaires. Nous. Le peuple haïtien a tranché. Majoritairement, le peuple ne veut plus de Jovenel Moïse comme chef d'État. D'ailleurs, le peuple n'a pas besoin de voter pour lui, pour qu'il reconnaisse la nécessité, pour qu'il puisse rejoindre le peuple là, dans le passage de la planète, pour changer les conditions de la ville. Et c'est ça le message historique que nous allons porter ce vendredi 6 décembre devant l'ambassade américaine à Tabar. Et n'attendons tout le monde, quelle que soit opinion politique ou quel que soit groupe politique ou est, évidemment, nous vous en voulons pas la donne, nous vous attaquons pas la donne, mais nous vous en voulons pas la donne. C'est pour pas en voulons, pour pas en voulons, nous avons placé dans la marche qu'a fait 6 décembre. N'attendons tout le monde, le combat a déjà été lancé, le combat va continuer. Nous ne pouvons pas quitter le monde, c'est nos peurs, nous ne pouvons pas se battre. Nous bataillons à la même heure pour changer les conditions de la vie populaire.